Alors nous avons Monsieur Henri Alexandre qui est là. Alors avant de commencer, je voudrais vous donner une excellente nouvelle. Il ne s'agit pas de votre portable, ça je l'ai fait plusieurs fois, vous avez compris. Votre cadeau, c'est de le rallumer à la fin de la soirée. Non, c'est une autre nouvelle qui concerne l'Académie française. Alors, qui est l'Académie française, c'est celle qui défend la langue française, qui est aussi la langue de Monsieur Alexandre. Et l'Académie française vient de nous alerter sur l'emploi de plus en plus envahissant du franglais et de l'anglais. Comme par exemple, l'obligation bientôt d'avoir tout le monde une carte bilingue. Français-allemand, français-italien. Non, c'est pas ça, c'est français-anglais, français-anglais, français-anglais. D'ailleurs, il y a dans cette ville, dans cette agglomération troyenne, M. François Barouin va construire une école de 400 places, une école primaire, dans laquelle les cours seront faits en bilingue. Alors, ce n'est pas français, allemand, français, espagnol, français, portugais, c'est français, anglais. Et l'Académie française trouve ça un petit peu exagéré et... C'est une sorte de colonisation culturelle et économique, alors j'applaudis la colère académique. Alors, il paraît que Mme Le Pen applaudit aussi. Alors, je signale quand même qu'on peut parfois chanter la même note, mais ça n'est pas dans la même partition. Alors nous accueillons donc ce monsieur Henri Alexandre qui a failli venir deux fois. Alors la troisième, c'est la bonne. La première, il s'est trouvé... en compétition avec une tempête de neige. Il n'a pas pu traverser la percée des Ardennes, il n'a pas pu la faire. Si c'était tombé sur Hitler, ça aurait été beaucoup mieux en mai 40, bien sûr. Et la deuxième fois, c'était donc la Covid. Alors la troisième fois est la bonne, ben, nous sommes vraiment contents. Alors cette conférence, je voulais l'appeler, enfin je l'appelle pendant quelques minutes, « Enfin Darwin 20 ». Il faut bien sûr connaître quelques mots d'anglais, sinon ça ferait enfin Darwin 20, ça n'est pas. Alors il vint en la personne de M. Henri Alexandre, et on peut d'ailleurs s'étonner que ce monsieur ait parcouru 350 km, traversé une frontière, enjambé cinq rivières, pénétré les Ardennes à peine humanisées, et nous arriver la bouche en cœur pour nous balancer finalement, quelques vérités désagréables. Alors, que va-t-il en effet nous apprendre ? Ben, que Homo sapiens et sa version Femina sapiens ne sont pas, et même pas du tout, le point extrême de l'évolution. C'est-à-dire le summum, l'acmé de la civilisation, comme on nous l'a souvent répété à l'école. Moi, on m'apprenait ça. Autrefois, on prenait pour nous le prouver des exemples tout à fait manifestes. Tu vois, Jeannot, le chien n'a pas la parole, le singe est ridicule, et la limace n'est qu'un escargot qui n'a pas payé ses loyers. Alors l'homme, me disait-on, est vraiment supérieur. Et à cette époque, pour la femme, on en doutait un peu. Eh bien non, l'homo sapiens, vous, moi, Henri, nous ne sommes que l'aboutissement de nos ancêtres, pas autrement que le ver de terre ou la pieuvre ou le chêne pédonculé, et nous avons trouvé place, nous sommes émergés en quelque sorte, les uns à côté des autres, à côté de tous les êtres vivants qui peuplent notre planète. Alors je sais que le spectacle est magnifique, je le reconnais, il est riche, il est complexe, on se disait à l'époque, mais qui a fait ça ? Eh bien, je vais vous le dire. Qui a fait ça, je vais vous le dire. Vous attendez la réponse. Mais je vais vous la donner. Je vais vous la donner. Oui, c'est parce que ma machine a un peu triché. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, c'est M. Alexandre qui va nous dire « Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas d'intention. » Il n'y a pas de forgeron suprême. Alors je sais que c'est désagréable. Nous sommes là, tout seuls,
avec notre destin. Alors je sais que j'ai des cousins qui vivent dans les arbres, je les fréquente peu. J'aurais pu y rester, mais j'ai préféré redescendre. Alors tenez-vous bien, j'ai des aïeux et des aïeules qui ont la peau noire. Et certaines ont dû peindre sur les murs de Lascaux. Ça, c'est Madame Patou Matisse, certains l'ont peut-être entendu, qui est venue ici la dernière fois, qui nous l'a suggéré. Vous vous rendez compte ? Non, ça a l'air d'étonner personne. C'est une classe scientifique que vous avez là. Alors, malgré cette lignée formidable, je ne peux pas me vanter de posséder plus de complexité que d'autres espèces et donc de plus d'intelligence, bien sûr. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai un verger chez moi où poussent des pommiers et j'ai remarqué que les pattes fouisseuses de la taupe me battent au concours de vitesse de la fabrication des galeries. Alors pourquoi, me direz-vous, avoir fait venir de si loin M. Alexandre, si c'est pour nous rabaisser, pour nous remettre à notre vraie place? C'est que M. Henri Alexandre est docteur en sciences. Il fut chef du service de biologie et embryologie, ancien doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Mons, une belle petite ville de Belgique. Je crois qu'il est, francophile, je crois, très francophile. Ancien membre du Conseil consultatif de bioéthique de Belgique, c'est un peu comme notre regretté Axel Kahn en France, vous vous souvenez de la conférence qu'il nous a donnée avant de décéder. Et M. Alexandre, et tout cela doublé d'un humaniste, il étudie la biodiversité, il connaît Darwin par le menu, et connaître Darwin, c'est, selon moi, retrouver la raison dans notre monde déraisonnable. Et étudier Darwin, c'est retrouver les lois qui règlent le monde scientifique. Et nous en avons en ce moment infiniment besoin. Donc merci, monsieur Alexandre, d'être là parmi nous. Merci. On peut l'applaudir. Merci pour lui. Alors j'espère que vous recevez tous la très belle lettre et riche lettre élaborée par monsieur Alvarez. La numéro 13 vous a été envoyée. Si vous voulez recevoir nos conférences, il faut que vous nous donniez, que vous nous prêtiez votre adresse courriel. N'ayez pas peur, elle est envoyée en CCI, donc personne ne peut la lire. Alors elle vous expliquera la prochaine conférence de M. Christian Langeois, qui vient ici le 15 mars nous parler du conteur et écrivain Jean-Pierre Chabrol. Nous aurons notre assemblée générale, il faut la faire maintenant, il y a plus, le Covid s'éloigne, on peut donc se réunir. Le mardi 29 mars, avec une surprise, sous forme de trois comédiennes, un Marie-Hélène Haïn, Catherine Lefebvre, Christine Masson, qui vont faire un petit truc sur, ça va s'appeler Poésie en vrac. Et ils nous ont cuisiné donc un récital de poésie concertante et déconcertante. Le TPC d'ailleurs donne Maman chérie le 3 et le 4 mars au théâtre Gérard Philippe. Alors il y en a qui ont peur de la poésie. La poésie, vous savez, c'est tout simple. Le poète, c'est un bouilleur de cru. Il met de la prose dans son alambic. Plus quelques herbes odorantes, plus quelques idées perturbantes, et il en extrait la poésie. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à monsieur Henri Alexandre. Bon, merci beaucoup, monsieur Lefebvre. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Apparemment, oui. Non, je n'ai pas l'habitude de m'adresser à des auditoires avec un micro en main. Donc, je me sens très mal à l'aise, mais on m'a condamné à le faire. Parce que tout sera enregistré, m'a-t-on dit. Donc je vais faire cet effort. La deuxième chose que je n'ai pas l'habitude de faire non plus, c'est de donner cours ou de faire des conférences assis. Je suis très mobile, parce que je suis souvent dans mon sujet, et je trouve que ça fait partie de l'éloquence que de se déplacer. Mais ici, ça sera difficile, parce que non seulement on m'enregistre, mais on me filme.
Donc je vais devoir rester dans la lumière, ce qui n'est pas fait pour me déplaire au demeurant. Je préfère la lumière aux ténèbres, comme beaucoup d'entre vous sans doute. Alors, le titre... Mais ça va, j'ai de quoi meubler. Le titre de la conférence n'est pas de moi, je vous le dis tout de suite. Mais je le trouve beau, parce qu'il y a on a apposé le nom de Darwin, que tout biologiste ne peut qu'admirer, avec celui qui est à mon avis à la base même de la démarche scientifique et intellectuelle, c'est la raison. Darwin et raison vont de pair. Seulement, si vous attendez de moi un exposé de nature philosophique, vous allez être très déçu. Encore que la science pure, la science dure, comme disent certains, c'est de la philosophie. C'est un petit peu ce que je vais essayer de faire en appuyant sur le bon bouton et en commençant par définir ce qu'on entend par biodiversité. Vous voyez que ce mot a été défini une fois pour toutes par la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. C'est la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. C'est très vaste. Dois-je vous dire que ce dont il sera question ce soir, c'est la diversité entre espèces. C'est d'ailleurs ce qui a animé Darwin. Mais vous allez très vite comprendre qu'on ne peut admettre cette notion de diversité entre espèces que si au départ il y a une diversité au sein des espèces. Expliquer cette biodiversité, c'est certainement pas aujourd'hui qu'on le fait pour la première fois, loin s'en faut. Elle fut d'abord une démarche, elle a d'abord été la fille naturelle d'une démarche philosophique. Que suis-je ? D'où viens-je ? Et que vais-je devenir ? Une belle question. Et bien entendu que l'homme de tout temps s'est rendu compte qu'il appartenait à la nature, à la biodiversité. Alors il y eut, il y a bien bien longtemps, de grands philosophes, grecs en l'occurrence, et un latin, Parménide d'Élée, qui défendait l'idée que la biodiversité, que l'univers, que la Terre avec ses composantes, était là depuis toujours. Et que rien n'a jamais changé. C'est un paradigme, c'est le paradigme de la fixité absolue. À côté de cela, Héraclite d'Éphèse, je ne vous apprends sans doute rien, l'auteur prétendu de cette phrase pantareille, de cette formule, tout coule, il aurait aussi écrit « On ne se baigne jamais dans la même rivière ». Pour lui, c'est exactement... Alors, il est à l'opposé de ce que Parménide nous dit, à savoir que tout change en permanence. C'est un transformiste philosophique. Et puis, bien sûr, Lucrèce, l'auteur de De Natura Rerum, qui est un des tout grands et des premiers naturalistes, après Aristote, c'est vrai, mais c'est quand même celui qu'on peut considérer, quand on est biologiste, zoologiste ou botaniste, considéré comme le père de tous les zoologistes et les botanistes d'aujourd'hui, Lucrèce va effectivement reprendre certaines notions de ces anciens philosophes grecs pour alimenter son ouvrage gigantesque sur la nature. Mais on est dans l'Antiquité gréco-romaine, on ne pratique pas encore la science comme on le comprend aujourd'hui, c'est-à-dire observation, raisonnement, à quoi il faut ajouter l'expérimentation, et pour que l'expérimentation soit réaliste, réalisable et intéressante, il faut instrumenter. Et donc aujourd'hui, un scientifique est quelqu'un qui se sert des instruments que ses collègues ingénieurs ou scientifiques construisent dans un but précis pour répondre aux questions que le scientifique se pose et qui va expérimenter. C'est ça la science. Aucune hypothèse n'est émise sans qu'elle puisse être soumise à l'expérience et donc vérifiée ou infirmée. Donc il est inutile de dire que lorsqu'on m'a un jour demandé à l'Université libre de Bruxelles, dont je suis issu, et qui est pour ceux qui l'ignoreraient, sans doute êtes-vous nombreux,
Une université qui a dans ses statuts l'obligation de signer une déclaration de tout faire dans le sens du libre examen, aussi bien l'enseignement que la recherche. On m'avait demandé d'expliquer aux jeunes ce qu'était le libre examen, mais le point de vue du scientifique, mais j'ai dit, mais monsieur le recteur, c'est l'évidence même, je suis celui parmi vous qui n'a aucune difficulté à dire ce que c'est que le libre examen. C'est la recherche scientifique, c'est tout. Je n'ai aucun a priori, strictement aucun a priori, mais je veux apprendre à comprendre. Voilà, le scientifique que je suis et que sont, à mon avis, tous les scientifiques, quoique. Alors, je vais quand même vous parler de science, dès lors, et j'ai rapidement couché sur cette diapositive un certain nombre de points qui ne seront peut-être pas tous développés, parce que le temps va passer et je parle beaucoup. Vous allez vous en rendre compte très très vite, si ce n'est déjà fait. Pourquoi le darwinisme reste-t-il dérangeant? C'est le titre d'un ouvrage collectif auquel j'ai participé. Quels furent les arguments de Darwin? Darwin s'amène là avec une hypothèse révolutionnaire, certes, mais est-ce qu'il a de quoi alimenter cette hypothèse? Est-ce qu'il peut apporter des faits tangibles? La réponse est oui, bien sûr. N'oubliez pas que nous sommes à la fin du XIXe siècle et qu'on ne sait rien des gènes, strictement rien des gènes, on ne sait rien de la biochimie, on ne sait rien de tout ce qu'on sait aujourd'hui. C'est en cela que Darwin est un véritable prodige, un véritable génie. Parce que rien aujourd'hui ne nous permet d'infirmer quoi que ce soit de ce que Darwin a dit et a écrit. Je vais y revenir. Apport de la génétique, bien évidemment, début XXe siècle, c'est ce qu'on a appelé le néo-darwinisme, qui n'était rien d'autre que le darwinisme expliqué autrement. La phylogénie moléculaire et la phylogénomique, là j'espère avoir quand même un peu de temps pour vous dire ce qu'il en est exactement. Construction des arbres de vie, il me faudra vous dire ce qu'est un arbre de vie pour un évolutionniste, pour un biologiste, de manière à ce que vous puissiez comprendre une multitude de clichés qui vont se succéder, mais vous allez voir, c'est très simple. Et puis je prendrai quelques exemples de développement récent, de notions qui n'étaient pas enseignées quand j'étais étudiant, elles ne sont enseignées que depuis relativement peu de temps. Qu'est-ce qu'une exaptation? Qu'est-ce qu'une cooptation? Qu'est-ce qu'une introgression adaptative? Toutes ces choses sont admirablement bien connues et enseignées aujourd'hui grâce précisément à la phylogénie moléculaire. Toutes choses que Darwin ne pouvait évidemment pas savoir ni faire. Et alors, logiquement, la conférence aurait dû être consacrée exclusivement au point qui suit, parce que c'était mon domaine de recherche, le développement embryonnaire. Je suis embryologiste de formation, et donc, il y a une cinquantaine d'années, est née une nouvelle discipline, qui est la biologie évolutive du développement. Sachez-le, donc c'est relativement récent. Sachez que Darwin avait déjà compris en 1859 l'importance qu'il y avait de faire de l'embryologie comparée, c'est-à-dire de comparer le développement embryonnaire des différents animaux, pour comprendre exactement le processus d'évolution. 1859, et cette discipline dont je vous parle, elle a à peine 50 ans. Je vous en dirai quelques mots, bien entendu. Évidemment, désolé, mais je ne vais pas rater l'occasion de vous dire un mot des virus en général. Oh, pas de tous les virus, vous savez, parce qu'on estime aujourd'hui, tenez-vous bien, qu'il y aurait 10 exposants, 31, c'est-à-dire 1 avec 31 zéros derrière, types de virus différents à la surface du globe. Les animaux, c'est 1 500 000 espèces. Les virus, c'est 10 exposants, 31. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on sait toutes ces choses? Eh bien, je vais tenter de vous l'expliquer aussi. Et enfin, nous tenterons de tirer quelques conclusions, mais je crois que je viens déjà de les tirer. Alors, quatre attitudes possibles, pour faire simple, face à la biodiversité. Première attitude, il y a un créateur, un démiurge, un architecte, un dieu, créateur de toutes choses. C'est d'ailleurs très clairement écrit dans la Genèse. C'est comme ça. Bon, c'est une façon d'appréhender les choses. L'autre,
c'est celle de Parménide. Non, il n'y a pas de créateur. Rien n'a jamais été créé. Le monde est incréé, mais il est constant. C'est ce qu'on appelle du fixisme non créationniste. Ça n'a plus lieu d'être, bien entendu. On peut par contre être fixiste, et c'est la position des créationnistes purs et durs, fixiste créationniste, comme l'était, mais oui, un des tout, tout grands naturalistes du siècle des Lumières, qui n'était pas français, lui, c'est un Suédois, c'est Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, c'est à lui que l'on doit de désigner les espèces animales, végétales et bactériennes actuellement, ça, lui, n'en avait jamais vu, par deux noms latins ou latinisés. Nous sommes membres, chacun d'entre nous, d'une espèce animale, Homo sapiens. C'est lui qui invente ce système. C'est la dénomination binominale dite de Linné. Donc c'est un tout, tout grand bonhomme. Il y a d'ailleurs une société linnéenne qui nomme les plus grands taxonomistes et les plus grands évolutionnistes du monde au sein de sa structure linnéenne. Or, Linné était créationniste et fixiste. Eh oui. Et puis vinrent quelques naturalistes qui restaient créationnistes parce qu'ils croyaient profondément en Dieu. Ce sont des croyants, déistes, théistes, et généralement d'ailleurs appartenant à la religion catholique romaine, si tant est qu'ils étaient français, comme l'était le grand Lamarck, votre Lamarck. Ah oui, M. Lefebvre a dit que le français était aussi ma langue. Je le remercie infiniment. Je voudrais signaler à ce point de vue que quand on me demande d'où je sors ou ce que je suis, je commence par dire « je suis francophone » et j'ajoute « de nationalité belge ». Ça vous donne tout simplement une idée de ma façon de voir la hiérarchie des choses. Donc voilà, je suis francophone et Lamarck était francophone. Lamarck est un transformiste, évidemment. On enseigne ça et j'imagine qu'ici, en France, on en remet une couche. En insistant bien sur le fait que Darwin, oui, bien sûr, il est le père de la théorie de l'évolution. Mais non, 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 non. Il y avait eu avant lui Lamarck. Mais c'est vrai. Mais Lamarck s'est trompé sur bien des points. Il n'empêche qu'il garde un mérite énorme. C'est d'avoir défendu bec et ongles l'idée que des espèces apparaissent et disparaissent et que des espèces se succèdent les unes aux autres. Oui, il y a transformation. Il est résolument anti-fixiste, mais il est resté déiste, voire théiste. Et enfin, je l'ai mis en rouge, le grand Darwin, l'énorme Darwin, j'allais dire le grand Charles. Et je sais que ça prend une dimension toute particulière ici. Donc quand je dirais, parce que ça va m'arriver de temps en temps, quand je dis le grand Charles, je ne pense pas à un général. C'est à Darwin. Encore que j'ai beaucoup d'admiration pour le général en question, soyons quand même tout à fait honnêtes. Alors, le créationnisme, finalement, ben, il n'y a plus aucune raison d'en parler. Après ce que je viens de vous dire, vous l'avez compris, je ne le suis pas. Et je puis vous dire que tous mes collègues, ou pratiquement tous mes collègues à la surface du globe, si tant est qu'ils soient sérieux, ne sont absolument plus créationnistes. C'est parmi les biologistes qu'on trouve le pourcentage le plus écrasant. On est à hauteur de 99%. On interroge les biologistes académiques, hein, pas ceux qui ont décroché un diplôme de biologie, ça c'est évidemment, ça fausserait le résultat. Mais on a fait ça à plusieurs reprises. 99% des biologistes qui travaillent sur le terrain, qui travaillent au laboratoire, se déclarent ouvertement, non pas dubitatifs, non pas agnostiques, non, non, athées. Ce mot n'a rien à faire dans leur vocabulaire. Je parle du mot Dieu. Donc c'est pour vous dire que les choses sont extrêmement claires. Pourquoi les biologistes sont à ce point tentés par l'athéisme? Tout simplement parce que c'est probablement la biologie qui a été la plus attaquée par les créationnistes de tous bords, c'est-à-dire par les religions organisées. Il faut savoir ça. Et que donc un biologiste a peut-être naturellement tendance à réagir très 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 vite, très violemment, en se disant « hop, moi, je n'ai plus rien à voir avec ce concept de Dieu qui ne veut rien dire pour moi ». Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la recherche. Darwin est un exemple. Darwin, dans sa formation, était destiné à devenir pasteur de province. Il a une maîtrise obtenue à l'université de Cambridge en théologie, anglicane certes. Il était destiné à devenir un clergyman.
Il avait essayé la médecine. Son père lui avait dit, écoute, tu vas faire la médecine comme papa et comme grand-père. Pas du tout, ça l'a dégoûté, ces études-là. Il a préféré faire des études de théologie pour devenir pasteur. Et c'est à la suite de son voyage, qui a duré 5 ans, sur le navire de sa gracieuse majesté, le Beagle, où il était engagé comme naturaliste bénévole. Il n'a pas été payé pour faire son travail de naturaliste, il était nourri, bien sûr, nourri et logé sur le bateau, et il a ramené des collections extraordinaires de plantes, de roches, d'animaux et de fossiles, on va y revenir, qu'il a bien sûr analysé avec ses collègues géologues quand il est rentré en Grande-Bretagne et qu'il a élaboré sa théorie, que vous connaissez bien sûr, la théorie de l'évolution de Darwin. Et au fur et à mesure de ses réflexions, et ça se retrouve noir sur blanc écrit dans sa biographie qui n'a pas été expurgée, je ne sais pas si vous le savez, mais la biographie de Darwin qui circule depuis son décès dans toutes les librairies est une biographie qui a été expurgée par la famille. La famille Darwin était restée profondément croyante, notamment son épouse, ce qui ne les a pas empêchés de s'adorer jusqu'au dernier jour de Darwin. Mais il y avait là une tristesse profonde de son épouse de voir son mari quitter petit à petit la croyance en Dieu et finalement l'abandonner totalement. Et on a rajouté les morceaux qui avaient été censurés par la famille il y a une dizaine d'années. Donc l'édition actuelle, que vous pouvez retrouver en librairie, est une édition non expurgée de la biographie de Darwin. Darwin a perdu la foi grâce à ses recherches, à ses réflexions sur la nature. Bien d'autres ont suivi exactement le même trajet. Petite remarque au passage. Mais des créationnistes, comme vous pouvez le voir, il y en a encore. Il y a notamment le... Non, je ne vais pas dire célèbre, parce que ça me fait mal. Un personnage qui s'appelle Ayun Yahya. Ce n'est pas son vrai nom, d'ailleurs. J'ai son vrai nom ici, mais ça n'a aucune espèce d'importance. C'est le défenseur le plus acharné du créationnisme, le pourfendeur. Mais alors là, un pourfendeur paroxystique du darwinisme, ce qu'on appelle le darwinisme. Darwin, pour lui... c'est l'incarnation du diable, c'est vous dire. Et c'est le défenseur du créationnisme pour le monde musulman. Il est turc. Et il a écrit une multitude d'ouvrages aussi scandaleux les uns que les autres, de mon point de vue, c'est-à-dire de la mauvaise foi à chaque page, avec évidemment des mensonges à n'en pas finir. Non, Dieu a tout créé. Oui, les espèces n'ont jamais changé depuis cette création. Comment voulez-vous que les espèces créées par Dieu puissent disparaître? C'est impossible, ça. C'est hérétique de dire une chose pareille. Donc, vous vous rendez compte, quand on vient vous dire, tiens, voilà un fossile, ce fossile, je l'ai daté, il date de 500 millions d'années, mais il y a bien, bien longtemps que cet animal n'existe pas, Ayun Yahya devient fou. Il l'est sans doute. Alors, vous avez par ailleurs... aux États-Unis, lui, professeur de biologie moléculaire dans une université américaine. Non, ce n'est pas Harvard, mais c'est une université américaine, comme il y en a de très nombreuses, qui a écrit cet ouvrage étonnant, donc c'est Bee, La boîte noire, boîte noire Darwin. Et qu'est-ce qu'il défend dans cet ouvrage? Eh bien, l'idée qu'il existe, et il est bien placé pour le dire, lui, le biologiste moléculaire, il y a des complexes irréductibles. Et qu'est-ce que c'est qu'un complexe irréductible? C'est par exemple le petit piège à souris. Effectivement, si vous démontez le piège à souris, vous avez toute une série de pièces, mais aucune de ces pièces n'est capable de capturer une souris. Or, le piège capture des souris. Donc, il a bien fallu que quelqu'un fabrique ce piège. C'est un complexe irréductible. Et le quelqu'un... c'est un grand architecte, c'est un démiurge, c'est un horloger, que sais-je. Alors, en biologie, mais c'est pire encore qu'un piège à souris, vous avez les schémas, je ne vais pas les décrire parce que sinon c'est des cours de biologie cellulaire que je vais donner. À gauche, en haut, le flagelle d'une bactérie, bien, bien, bien connu depuis très nombreuses années. Chacun des éléments de ce flagelle est connu, chacun. La nature de chacune des protéines, c'est d'une complexité extraordinaire. C'est un complexe irréductible. La même chose pour le cil ou le flagelle d'une de nos cellules, le flagelle de nos chairs spermatozoïdes. Voilà sa structure
d'une complexité phénoménale. Ça s'enseigne aux étudiants. Et enfin, l'explosion cambrienne. Ah mais oui, parce que les paléontologues ont découvert que dans les roches qui datent de 555 millions d'années, il y a profusion d'espèces, de fossiles, beaux comme tout, notamment ces trilobites. Or, chose curieuse, dans les roches qui datent de plus de 555 millions d'années, on ne trouve rien du tout. Ça n'est plus vrai, on a trouvé depuis. Mais jusqu'il y a 50 ou 60 ans, on avait beau chercher, on ne trouvait rien. Donc comment expliquer l'apparence, l'émergence soudaine d'une multitude d'espèces qui ont fossilisé depuis, certes, d'une complexité remarquable, et rien avant? Un créateur, bien évidemment. Et alors ça, c'est pour les plus spécialisés d'entre vous, c'est la cascade des événements d'une coagulation sanguine. Vous voyez que ça se situe à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement structurel, ce n'est pas seulement paléontologique, c'est aussi fonctionnel. Si vous regardez ce schéma, il ne faut pas le faire, hein. Vous voyez bien qu'il y a toute une série de flèches. Ça veut tout simplement dire que c'est assez complexe et qu'il y a une douzaine de facteurs, les facteurs de coagulation, 1, 2, 3, 4, etc., 11 et 12. Eh bien, tous ces facteurs sont des enzymes qui agissent les uns sur les autres et qui s'activent en une cascade extraordinaire, faisant intervenir les plaquettes sanguines et tout ça pour avoir un caillot. Ce qui est évidemment tout à fait salutaire, comme ça on ne perd pas son sang. C'est d'une complexité extraordinaire, c'est un complexe irréductible. Voilà la théorie de l'intelligent design, c'est-à-dire un projet intelligent. Mais ce projet intelligent vient d'où? D'un créateur. Vous voyez, ça, ce sont les deux attitudes auxquelles il faut encore faire face aujourd'hui. Et j'avais oublié que les complexes irréductibles, il en est un qu'on ne peut pas qualifier d'être obscurantiste, notre cher Voltaire, qui écrivait cette phrase mémorable, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Mais Voltaire était évidemment déiste, tout le monde sait ça. Et c'est le siècle des Lumières. Mais songez quand même que quand Voltaire écrit une chose pareille, on sort d'une période d'un obscurantisme terrible qui a duré plus de 10 siècles. Donc Voltaire était évidemment un homme lumineux, mais nous n'étions pas encore au 21e siècle. Le grand Charles. Je vous en ai déjà dit pas mal de choses, je n'en dirai pas plus. Rien vous dire de sa biographie, il a un papa médecin, il est destiné à devenir pasteur, je vous l'ai dit, et le grand Charles part en expédition sur le Beagle. Et il fait une constatation à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas, parce que je sais que quand on parle de Darwin, on veut immédiatement entendre parler des pinsons. Eh bien non, je ne vous dirai rien des pinsons, ils sont d'ailleurs sur l'affiche, ils sont très beaux sur sa tête. Je vais vous parler de ces deux merveilleux petits mammifères en haut là, ce sont les paresseux. Pour faire simple, il en existe de deux catégories. Le paresseux a trois doigts, trois griffes au bras antérieur, à la main, si vous voulez, et un paresseux a deux doigts. Bon, jusque-là tout va bien. Autant vous dire que Darwin les connaissait bien, avait déjà examiné ces animaux. Mais Darwin découvre un os gigantesque en Patagonie, qu'il reconnaît comme étant un os fossilisé d'un animal que l'on avait déjà découvert avant lui, qui s'appelle Megatherium, l'énorme animal. Le Megatherium americanum, c'est en Amérique qu'on le découvre. Darwin envoie les pièces qu'il récolte en Grande-Bretagne, et un de ses collègues géologues et paléontologues les examine. Et quand Darwin rentre, à deux, il constate une chose extraordinaire, c'est que la structure, bien que cet animal fasse 3 mètres de haut, alors que les petits paresseux sont des mammifères qui font 50, 60 cm de long, les os se trouvent exactement à la même place que dans le squelette des paresseux. Et Darwin a une idée géniale, il se dit, ben, il y a visiblement eu dans l'histoire de la Terre une descendance avec modification. Et c'est de là que vient cette idée géniale, le point de départ, l'évolution des espèces qui ont existé et qui ont disparu
ont laissé derrière elles, ou devant elles, d'autres espèces qui ont gardé un certain nombre de caractéristiques de l'ancêtre, mais qui se sont modifiées. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que vous avez là deux animaux, bien distincts l'un de l'autre, qui proviennent, semble-t-il, d'une souche ancestrale. Alors, c'est pas le... vous allez tout de suite voir, mais non, je vais trop vite, je vous laisse un peu de suspense. Donc, on a envie de se dire, ah, mais au fond, les paresseux d'aujourd'hui, et c'est ce que tout le monde pense, hein, c'est ce que j'ai pensé aussi quand j'étais plus jeune, il y a très très longtemps, c'est qu'en fait, l'ancêtre de nos deux paresseux-là, c'est le mégathérium. Pas du tout. C'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. C'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Alors maintenant, voyons plutôt les quatre grands principes que Darwin apporte et que n'avait pas apporté Lamarck, en particulier les deux derniers. L'ascendance commune, je viens de vous le montrer. Les espèces qui se ressemblent actuellement doivent avoir un ascendant commun, un ancêtre commun. Première idée, géniale, vérifiée. L'évolution se fait par buissonnement. Et ça, c'est un petit dessin magnifique. C'est le seul croquis, le seul petit schéma que l'on trouve dans ses notes de voyage. Pendant son voyage, il réfléchit, il écrit tous les jours, et il a fait un petit schéma, le seul. Certains prétendent qu'il s'est d'ailleurs inspiré d'une branche de corail. Il avait ça à l'esprit, il s'est dit, je vais représenter l'évolution comme ça. Et vous voyez ce qu'il représente ? Il représente une... En un, c'est l'ancêtre commun. Toutes les petites branches, les sommets des petites branches, ce sont les espèces qui découlent de cet ancêtre commun, par buissonnement, l'ascendance commune. Et alors, il met un petit trait, chaque fois que c'est une espèce qui vit encore, et il oublie de mettre un petit trait, volontairement, parce qu'il sait aussi qu'il y en a qui ne vivent plus, et qu'on peut trouver à l'état de fossile. C'est absolument remarquable. Hein. Souvenez-vous bien de ce petit schéma, parce que je vais arriver bientôt aux arbres de vie. Les variations, il en parle clairement. Il ne peut y avoir évolution que si à l'intérieur d'une espèce, à l'intérieur de ce qu'on appelle désormais un clade, à l'intérieur de l'espèce humaine, c'est facile à voir, il y a une variété évidente. Regardez vos voisins et vos voisines, vous allez voir que nous ne nous ressemblons pas. Oui, nous avons tous les caractéristiques de l'espèce humaine. On a plus de poils que sur la tête, enfin je ne vais pas faire un détail, on a une grosse tête. Ça, c'est vrai, 1200 cm3 minimum, 1400 maximum. Tout ça, ce sont des caractéristiques propres à chacun d'entre nous. Mais on est différent, la couleur de notre peau n'est pas du tout la même. Il y a plein de différences. C'est ça la variation dans l'esprit de Darwin. Il dit oui, mais il y a évidemment, à l'intérieur d'une espèce, une grande variété. L'origine de la variété, ça, il ne la comprend pas. Et pour cause, s'il avait rencontré Mendel, qui travaillait en même temps, mais indépendamment de Darwin, peut-être qu'on aurait gagné 50 ans. Le néo-darwinisme serait peut-être arrivé à ce moment-là, mais Darwin n'était pas au courant des règles de Darwin, de la transmission des caractères héréditaires. Il avait sa théorie, c'était un pangéniste, mais je ne vais pas vous parler de pangénisme, sinon on en a encore pour un quart d'heure en plus. Et alors, il est connu surtout pour sa théorie de la sélection naturelle. De quoi s'alimente-t-il ? D'abord d'une discipline qu'on appelle l'anatomie comparée, qui est bien ancrée. Vous voyez, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, encore un de ces éminents naturalistes français, est considéré, à tort, mais ce n'est pas grave, comme le père de l'anatomie comparée. C'est en réalité lui qui a donné à l'anatomie comparée ses lettres de noblesse. D'autres avant lui s'étaient rendu compte que si on a un squelette de poulet et un squelette d'homme, et qu'on les regarde l'un à côté de l'autre, on se rend bien compte. Bien sûr, ça ne se ressemble pas, mais il y a les mêmes os à peu près aux mêmes endroits. C'est ça la comparaison de l'anatomie. Et on peut faire ça pour tous les animaux. C'est ce qu'a fait Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Et ça aide beaucoup à comprendre, effectivement, le degré de parenté. Dois-je vous dire qu'il est très facile de constater que l'homme est un proche parent de la souris si vous ajoutez un troisième partenaire, un poisson. Tout le monde peut faire ça, se dire que nous avons beaucoup plus de points communs avec la souris que la souris et l'homme en ont avec un poisson. C'est ça l'anatomie comparée, compare. Ça, c'est une chose. L'embryologie comparée, vous voyez, j'écris quand je prononce le mot embryologie, c'est ma nature. L'embryologie comparée, qu'est-ce qu'il écrit Darwin ? On va le lire, là. « Community of embryonic structures reveals community of descent », vous vous rendez compte ?
la ressemblance entre de structures embryonnaires révèle une ascendance commune. La ressemblance de structures embryonnaires révèle une ascendance commune. Et alors cette phrase, extraite du chapitre 14 de son célèbre ouvrage « De l'origine des espèces », expliquée par la sélection naturelle, « Pour la plupart des naturalistes, la conformation de l'embryon est encore plus importante que celle de l'adulte au point de vue de la classification. » Donc plus importante que l'anatomie comparée. « Lorsque deux ou plusieurs groupes d'animaux, quelque différentes que puissent être d'ailleurs leur conformation et leurs habitudes à l'état adulte, traversent des phases embryonnaires très semblables, nous pouvons être certains qu'ils descendent d'un ancêtre commun et qu'ils sont par conséquent unis étroitement les uns aux autres par un lien de parenté. » C'est un cliché que j'utilisais, que j'utilise encore, quand je donne une conférence à des étudiants en leur disant « Lisez bien cela ». Essayez de la mémoriser éventuellement. Tout y est. Tout y est. Et il n'y a rien à retirer. Darwin était un homme brillantissime. Mais ça, vous avez compris que je suis assez favorable à au grand Charles. Alors, la paléontologie. Bon, ben, on ne peut pas passer sous silence quand même le fait que depuis très très longtemps, on a découvert des fossiles. Vous savez qu'à une époque, les fossiles, ça dérangeait beaucoup certains, en disant « Oui, mais qu'est-ce que vous me racontez, là ?» Ce sont certes des vestiges d'animaux, mais comme Dieu les a créés, ils existent encore, parce que Dieu ne va pas créer un animal qui cesse d'exister. C'est ridicule. Donc, on a financé des expéditions au pôle Nord, au pôle Sud, pour aller retrouver les espèces découvertes par des paléontologues qui devait nécessairement encore exister vivante quelque part. On en était là. On a abandonné cette idée. Maintenant, ce qu'on fait, vous voyez là en dessous, c'est le fameux trilobite. C'est celui auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. 555 millions d'années, à partir de là, jusqu'à 505 millions d'années, on en trouve une multitude, tous différents, hein, une grande diversité de ces trilobites. Des poissons avec un squelette cartilagineux qui fait vaguement penser à, je sais pas moi, une truite ou peu importe, on en trouve aussi, mais dans des roches moins anciennes. Et des mammifères, là tout en haut, on en trouve aussi, mais dans des roches encore moins anciennes. Donc les paléontologues et les géologues qui datent les roches sédimentaires apportent un argument magnifique, un argument temporel. Et c'est évidemment ce qui permet de publier ce genre de schéma, ce genre de tableau que j'apprécie tout particulièrement, mais sur lequel je voudrais quand même faire un tout petit commentaire. Donc vous voyez qu'en plus des géologues et des paléontologues, les astrophysiciens s'en sont mêlés. Le Big Bang, tout le monde en a entendu parler. Très beau sujet, 13 milliards 600 millions d'années, un événement d'une rare violence s'est produit. Une énergie hypercondensée c'est soudain transformé en particules élémentaires, etc., etc. Et puis vous avez toute la nucléosynthèse, une belle évolution depuis 13 milliards 600 millions d'années jusqu'à nos jours. Ce qui nous concerne à propos de l'évolution, ce sont ces barres horizontales de couleurs différentes. Vous voyez par exemple qu'on sait maintenant, parce qu'on a trouvé des fossiles, existaient déjà des êtres vivants qui avaient l'allure de nos bactéries d'aujourd'hui, il y a 3 milliards 800 millions d'années. Ce sont les vestiges plus que vraisemblables des bactéries les plus anciennes. Elles existaient déjà à ce moment-là et elles existent toujours. Que les cellules à noyau, c'est tout différent d'une bactérie. Une bactérie n'a pas de noyau. Son ADN, son matériel génétique, est dans le cytoplasme. Tandis que les autres êtres vivants, comme nous, notre matériel héréditaire, ADN, est enfermé, est séquestré dans un noyau. C'est une révolution dans l'évolution. Eh bien, ces cellules-là seraient apparues il y a un peu plus de 2 milliards d'années. Et puis, ben oui, les animaux, faune de Burgess, le Cambrien, ils sont là. Et avant, quid ? Eh bien, je vous le dis, on a trouvé des fossiles de formes animales dont il ne reste, semble-t-il, plus aucun vestige, même dans le plan de structure, bien antérieure
à ces 555 millions d'années. C'est ce qu'on appelle la faune vendienne, qui n'est même pas représentée sur ce schéma. Et on continue ainsi. Et vous voyez que... Bon, les dinosaures... Nous, on est là, tout au bout de cette longue histoire. Et j'ai écrit « hominidés ». Hominidés, ça désigne, c'est un taxon, c'est un clade. J'aime bien le mot « clade ». Famille, c'est une famille. C'est la famille des hominidés. Je vous signale que dans la classification actuelle, tout à fait justifiée, font partie des hominidés, que ça plaise ou non, l'orang-outan, les orang-outans, les gorilles, chimpanzés, bonobos et l'homme. Ce sont ceux qui existent encore aujourd'hui. Mais entre-temps, il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? À l'époque, on a commencé à découvrir. Vous avez là, tout à gauche, Sahelanthropus. Et puis vient l'Australopithèque. Et puis vient Homo habilis. Et puis vient Homo erectus. Et puis vient l'homme de Néandertal. Et puis l'homme, nous. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a présenté ce tableau et on dit encore cela à pas mal de gens. Ça, c'est une vision anagénétique. J'entends encore des gens me dire « Ah oui, mais mon ancêtre, c'est l'homme de Néandertal, mais pas du tout. Et mon ancêtre plus ancien, c'est l'homme erectus, mais pas du tout. Et le dernier ancêtre, c'est le chimpanzé. » Encore plus idiot, ça, comme formule. Pourquoi ? Parce que cette vision anagénétique, elle est abandonnée depuis, heureusement, de nombreuses années. J'espère qu'il n'y en avait plus parmi vous qui pensaient que les choses s'étaient produites de la sorte. Voilà comment les choses se passent. Voilà un tableau, une fois de plus, vous voyez que ces bandes, ces barres de couleurs, chaque couleur désigne un clade. Donc vous avez homo, le genre homo, vous voyez toute une série d'homo. Vous voyez que nous ne sommes pas seuls. Hein ? Il y en a eu beaucoup, hein, des homo. Évidemment, il y a les critères pour définir homo à partir du moment où on a une capacité crânienne de 900 cc, 1000 cc, homo. Quand c'est plus petit, c'est Australopithèque éventuellement. Vous voyez toute une série d'espèces. Qu'est-ce que ceci prouve ? Ceci prouve tout simplement d'abord que plusieurs espèces ont cohabité, coexisté. Nous, Homo sapiens, nous avons vécu à côté, et on a même fait mieux, de l'homme de Néandertal, qui lui a disparu en tant que tel. Ça, c'est vrai. Nous, on est restés, on a amplifié et embelli, peut-être. Donc, c'est vrai pour toutes ces espèces. Je ne vais pas les décrire toutes. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, le Sahelanthropus, il est là-bas à gauche. C'est Toumaï, pour ceux qui auraient entendu parler de Toumaï, qui a été découvert par Brunet, le paléoanthropologue Brunet, français, qui travaille au Collège de France. Voilà. Donc, c'est Toumaï qui est tout au début. Et il faut bien évidemment se rendre compte que Toumaï avait aussi un ancêtre et que cet ancêtre-là doit être le même ou commun avec le chimpanzé, qui est notre parent le plus proche. Voilà. Et voilà donc une bonne manière de représenter l'évolution. C'est un arbre de vie, c'est une évolution divergente. Et vous voyez pourquoi j'insistais tant sur le petit schéma de Darwin, qui, bien évidemment, ne faisait rien d'autre que de prévoir ce genre de choses. Voilà. Néo-darwinisme ou théorie néo-synthétique. Mendel découvre les lois qui portent son nom, loi de transmission des caractères héréditaires. Il y a donc des gènes. Pour faire bref, je pourrais prendre l'exemple des pois Mendel, mais comme vous avez tous eu ça à l'école, j'en ai pris un autre qui est tout aussi célèbre. Regardez la variation dans une espèce de petit escargot des jardins que vous avez tous déjà vu dans vos jardins respectifs. C'est CPA. Et vous constatez que ces CPA ne sont pas tous identiques. Loin s'en faut. Il y a une certaine variété dans les couleurs. Couleur jaune, couleur rose, couleur brune, avec bande, sans bande. Et tout ça peut éventuellement avec des nuances intermédiaires. Les généticiens se sont intéressés à cela. Et bien entendu, ils ont appliqué les lois de Mendel, ils ont fait des expériences de croisement pour voir un petit peu comment tout ça se goupillait. Je vous donne le résultat dans un instant. Mais la sélection naturelle agit sur cette variation. Pourquoi ? Parce que vous devinez aisément qu'un escargot de couleur foncée qui est en train de grimper sur une branche, dans un buisson ou dans une haie foncée ne sera pas vu aussi facilement par la griffe musicienne que s'il était clair.
et on vérifie qu'effectivement, dans les sous-bois, dans les haies, ce sont principalement les variétés foncées que l'on trouve, qui sont sauvegardées de l'agression du prédateur et qui se multiplient entre eux, alors que là où les terrains sont dégagés, ce sont les foncés qui sont mangés prioritairement par la grive, ne reste plus que les clairs qui survivent et qui peuvent se reproduire. Sélection reproductive, disait Darwin. Ça aussi, il avait compris. Alors, pour faire de la génétique mendélienne, très vite, peut-être mauvais souvenir pour vous, on sait clairement que cette variation, cette variété de couleur est liée à deux locus, c'est-à-dire deux gènes localisés sur un chromosome, d'où le mot locus, et que chacun de ces gènes, le gène couleur et le gène brun, ont plusieurs... Pardon, le gène couleur et le gène, et le gène qui est responsable des bandes ont chacun des formes alternatives. Le gène B n'en a que deux, bande ou pas bande, et le gène C en a trois, rose, jaune, brun. Alors vous combinez tout ça et vous avez la variété de ces couleurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de compléter ce petit exemple très simple par cette image qui vous montre que dans une autre espèce animale, Homo sapiens, il y a aussi une fameuse variété de couleurs, beaucoup plus grande que chez Cepa nemoralis, et pour cause, 400 locus. On m'a dit qu'on ne pouvait pas écrire loci dès lors que le mot était entré dans la langue française. Comme c'est entré dans la langue française, on ne s'amuse plus à utiliser le pluriel latin. Vrai ou pas, je n'en sais rien. C'est pour faire le malin que je viens de dire ça. Pour aller dans le sens de ce que M. le Président vous a dit tout à l'heure à propos de l'Académie française. Donc, 400 locus. Je dis ça parce que j'ai vite changé le « i » en « us » hier après-midi. Je dis « attention, je vais chez les Français, ça risque d'être... » Donc, voilà. 400 locus. Comprenez dès lors que la variété, elle est gigantesque. Hein, nous ne sommes pas des petits escargots des haies et des prairies. Sélection naturelle, je vous l'ai expliqué pour les petits escargots, facile à comprendre. Regardez un peu ce problème terrible qu'on a compris il y a un an ou deux. Ce sont deux belles éléphantes qui viennent d'une réserve naturelle de Mozambique. Elles sont donc théoriquement protégées contre les braconniers. Il arrive, entre 5 et 10% des jeunes éléphantes naissent, des éléphantes naissent sans défense. Ça arrive. C'est un handicap, hein, parce que, comme le disent certains, les défenses de l'éléphant, c'est le canif suisse, hein, pour eux. Ils font plein de choses avec ça. Bon, ben, elles s'en sortent parfois parce que les éléphants cèdent entre eux. Nous avons un petit pourcentage. À quoi est-ce dû? Ben, on le sait maintenant, depuis peu. À des mutations qui affectent deux gènes. L'un codant pour l'amylogénine, qui est une protéine qui est la protéine de base pour la construction de l'émail des dents. C'est vrai chez nous, hein, c'est vrai chez le chien, c'est vrai chez tous les mammifères, pourquoi pas chez eux. Dernière petite chose, comme ça, vous le saurez si vous ne le saviez pas, les défenses de l'éléphant ne sont pas des canines, ce sont des incisives. L'éléphant, la formule dentaire de l'éléphant, par demi-mâchoire supérieure, c'est une incisive, pas de canine, pas de prémolaire et 6 molaires. Donc 1-0-0-6. Pareil de l'autre côté, mâchoire supérieure. Mâchoire inférieure, rien comme dent de l'avant, les 6 molaires. Donc 1-0-0-6 et en dessous 0-0-0-6. Bon, c'est pour une petite culture générale. Donc voilà. Donc il leur manque leurs incisives. Assez malheureuses. Et elles naissent comme ça. Or, regardez ce qu'on a constaté. Le pourcentage de femelles que l'on trouve aujourd'hui sans incisives est très différent selon qu'on s'intéresse aux femelles de tous les âges, aux femelles qui ont de 10 à 20 ans ou aux femelles qui ont plus de 20 ans. Or, que s'est-il passé entre 1970 et 1990? Une épouvantable guerre civile.
Hélas ! Et pendant cette guerre civile, vous croyez que les braconniers ne s'en sont pas donnés à cœur joie ? Et que font les braconniers ? Ils abattent bien sûr les éléphants qui possèdent des défenses, et ils n'abattent pas ceux qui n'ont pas de défense. Et le résultat, les braconniers ont agi comme la griffe musicienne à l'endroit des éléphants et des éléphants. Vous allez me dire, il n'y a pas de mâle alors, si les mâles affectés par cette mutation ne naissent pas. C'est une mutation létale pour les mâles, parce que, pour ceux qui sont au courant de la chose, la mutation à laquelle je pense, Amélix 1, est localisée sur le chromosome X. Et comme les mâles n'ont qu'un seul chromosome X, il n'y a pas de compensation possible pour toute une série d'autres fonctions. Et la mutation est létale pour les mâles. Donc ce ne sont que les femelles qui naissent sans défense. Voilà un bel exemple de sélection qui n'a rien de naturel ici, il faut bien l'admettre. Mais la règle reste la même. Oui, alors ça c'est ce que je vous disais. Donc voilà les deux gènes en question qui sont incrimités. AMELX, c'est le gène qui code pour cette protéine. L'amélogénine, qui est à la base de toute une cascade d'événements, encore une cascade d'événements, un complexe difficilement compréhensible s'il n'y a pas un créateur, on est bien d'accord. Et donc, vous avez ainsi toute une cascade qui finit par construire l'émail des dents. Ben, évidemment que si le gène qui est responsable de la production d'amélogénine est muté et ne peut plus le faire, il n'y a pas d'amélogénine, il n'y aura pas d'émail sur les dents, et vous avez d'ailleurs ici une maladie héréditaire de l'espèce humaine. Voilà quelqu'un qui est affecté par une mutation dans le gène AMELX. Même chose. Il y en a un autre gène qui est un gène candidat, donc qui semble aussi être impliqué dans l'absence de défense chez les éléphants. Et comme je viens de vous parler de protéines, monsieur le président, monsieur Lefebvre, je compte sur vous pour me faire... Oui. Pour me faire un grand signe quand il faut que je vous avais prévenu. Hein. On peut arrêter à n'importe quel moment, mais... Non, ben là, je continue. Comment ? Je continue. Vous ne savez pas ce que vous dites, là. Alors, donc, l'amélogénine est une protéine. Tout le monde sait ce qu'est une protéine. Protéine, c'est la matière, c'est une famille, gigantesque famille de molécules typiquement vivantes, constitutives des êtres vivants, qui sont les plus abondantes, d'où le nom, protides ou protéines, les plus abondantes, et qui sont faites toutes de l'enchaînement de 20 petites molécules différentes les unes des autres. D'accord ? Petit rappel. Ces petites molécules s'appellent des acides aminés. Et donc, le petit schéma qui est là-haut vous montre ces petites sphères de couleur. Chaque petite sphère est un acide aminé qui est attaché à un autre acide aminé, qui est attaché à un autre acide aminé, etc., etc. Vous pouvez en avoir 51, comme dans le cas de l'insuline. Vous pouvez en avoir des milliers dans d'autres protéines, comme le collagène. C'est très variable. Et la diversité est gigantesque. J'ai fait un petit calcul. C'est incompréhensible. Ça, c'est un bon argument pour les créationnistes au demeurant. Donc, ne l'utilisez pas comme ça. Là, prenons une séquence idéalisée de 100 acides aminés. 100, ce n'est pas tellement. Comme je viens de vous dire que l'insuline en a déjà 51. Vous en prenez 100. Et sachant qu'il y a 20 acides aminés différents, vous pouvez tout imaginer. Prenons l'acide aminé numéro 1, eh bien j'en mets 20. 20 identiques. Pardon, 100. 100 identiques. 100 fois l'acide aminé numéro 1. Puis 100 fois l'acide aminé numéro 2. Je vais faire ça pour les 20. Maintenant, je vais commencer à bouger. Je mets 1, 2, tous des 1. Je ne vais pas continuer parce que vous avez compris qu'on va arriver à 10 exposants, 130 possibilités. 10 suivis de 130 zéros. Est le nombre de combinaisons possibles, 100 à 100, de 20 acides aminés, qui sont les 20 acides aminés différents. Donc il y a un mécanisme de sélection extraordinaire qui s'est joué dans l'évolution et qui conserve effectivement celles de ces protéines qui sont parfaitement adaptées à leur fonction.
Tout le restant, on laisse tomber, ce sont les structures secondaires, tertiaires et quaternaires, et je constate d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que, comme toujours, sur un beau petit schéma qu'on trouve sur Internet, en bas à gauche, c'est l'image de la molécule de notre hémoglobine. C'est notre hémoglobine, ça. Et vous voyez qu'elle est faite de 4 chaînes polypeptidiques, d'environ 150 acides aminés chacune. Ça va, comme ça. Bon. Alors, ça a donné des idées. On s'est dit, mais au fond, la séquence des acides aminés dans une protéine, elle est peut-être légèrement différente si je la détermine dans une espèce animale, le chien, et dans le chat. Ou l'homme et la vache, pourquoi pas. Alors on a fait ça, c'était au début des années 60, on a fait ça avec cette protéine que je viens de citer, qui n'est autre que l'insuline. Et il se trouve que l'insuline est faite d'une chaîne de 31 acides aminés, de 21 acides aminés, et l'autre de 30 acides aminés, les deux c'est 51, annoncés précédemment. D'accord ? Vous avez ça à gauche. Ça, c'est la séquence des acides aminés de l'espèce humaine. Alors on est allé chercher la séquence des acides aminés de l'insuline de la vache. On les compare dans le tableau, donc c'est la chaîne A et la chaîne B. À gauche, c'est la vache. À droite, c'est, ce poisson anguilliforme qui est une myxine. Et vous constatez qu'entre l'insuline de vache et l'insuline humaine, il y a 3 acides aminés de différence. Je l'ai écrit. 3. 3. Il n'y a pas beaucoup. Vous faites le même petit calcul avec de l'insuline que l'on va trouver dans un poisson, qui est un poisson très particulier. C'est un craniate, il a un petit crâne en cartilage, il n'a pas de vertèbres, donc c'était un très bon candidat pour être le parent le plus éloigné possible de l'homme. On est allé prendre son insuline, on a séquencé, on a trouvé 20 différences. Tout le monde peut comprendre cela, je crois. C'est un excellent indicateur de la distance qu'il y a entre la myxine, l'homme, ou l'homme et la vache. Et ce n'est autre que Pollink est prix Nobel de chimie pour avoir déterminé le premier, la structure primaire de l'insuline, précisément en 1958. Il a obtenu son prix Nobel en 1958. Pollink reste dans la démarche de la recherche sur protéines et il a une idée absolument géniale qu'il communique à un de ses jeunes collaborateurs sous la forme de ce graffiti où il dit « mais on pourrait très bien, il fait des calculs savants, on pourrait très bien utiliser le pourcentage de différence d'acides aminés dans une protéine donnée d'un animal et la même protéine dans un autre animal comme moyen de calculer la distance temporelle. En d'autres termes, on pourrait l'exprimer en millions d'années et se dire, bon, ben, puisqu'il y a un tel écart, un écart énorme signifie que la divergence a eu lieu il y a très très longtemps. Un petit écart signifie que la divergence a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Oui, mais il faut chiffrer. Et c'est ce qu'il propose de le faire. Vous voyez, là, ici en dessous, c'est en millions d'années. C'est à 800 millions d'années déjà. Et quelques années plus tard, ça c'est un truc qui court maintenant dans tous les ouvrages, on a effectivement publié cette horloge moléculaire, c'est un schéma qui sert d'exemple pour les étudiants, l'horloge moléculaire de l'évolution, où les auteurs ont évidemment évité de tomber dans un piège, enfin, ils y sont peut-être un tout petit peu, mais pour éviter de commettre des erreurs, il faut, un, prendre des protéines les plus longues possibles, deux, de préférence, le plus grand nombre de protéines possibles. Parce que la pression sélective sur chacune des protéines n'est pas la même. Et donc ici, vous avez un exemple qui est fait avec les deux polypeptides de l'hémoglobine que vous avez vu tout à l'heure, 141, 146 acides aminés, le cytochrome C, qui est une protéine que tous les animaux possèdent, et même les plantes, dans leurs mitochondries, et le fibrinopeptide A, ça tombe bien, c'est un des partenaires de la cascade de coagulation. Donc ils ont comparé les séquences de ces 4 polypeptides, et voilà ce qu'ils font, 2 à 2. Et vous constatez que si vous faites la comparaison de ces protéines, de ces séquences protéiques d'un homme et d'un kangourou, vous vous trouvez évidemment à 125 millions d'années.
qui est à peu près correct. Ça a été corrigé par la suite, tout ça. Si au contraire, vous regardez chèvres et moutons, eh bien, vous n'avez que 8 à 10 millions d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancêtre de la chèvre et du mouton est plus récent que l'ancêtre du kangourou et de l'homme. Et vous vous amusez. Alors, ils ont notamment constaté qu'il y avait parfois des écarts. Mais de ça, je préfère ne rien dire, sauf si on me pose la question tout à l'heure. Mais les écarts sont dus, je donne la réponse, les écarts sont dus au fait que dans certaines lignées, la pression sélective est telle que la protéine n'évolue plus. Elle peut évoluer, mais elle conduit à la disparition des individus qui ont accumulé ces anomalies. Et donc, il y a une sorte de contrainte. Ça arrive. Intéressant, d'ailleurs, à étudier. Bon, ça va, on tient le coup. Parce que je vous ai parlé de protéines et de l'horloge moléculaire de Zuckerland et de Poulenc, mais il y a mieux. Depuis qu'on a découvert que les protéines sont le résultat de la traduction en langage acides aminés d'une autre molécule qui est beaucoup plus simple, celle-là. C'est une molécule qui n'est faite que de 4 lettres. A, U, G, C. Il y en a qui se disent, il s'est planté. C'était, non pas du tout. C'est A, U, G, C, parce que la molécule en question, c'est de l'ARN messager. Et ça, vous savez ce que c'est. On n'a parlé que de ça à la télévision depuis 2 ans. Donc l'ARN messager, c'est ça. A, U, G, C. Mais bien entendu, sur de très grandes longueurs, ces molécules sont très longues. Et de nouveau, le même petit jeu des différents assortiments possibles. 4A, 1A, 1U, 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 1A, 1G. Bon. On peut continuer comme ça, vous allez facilement en avoir 160 différents. Bien. Et cet ARN messager, il existe comme tel? Chez le coronavirus, oui. Enfin, je m'étais engagé à ne pas dire de gros mots aujourd'hui. Mais chez le coronavirus, c'est vrai, il existe comme tel, mais chez nous, pas du tout. Il vient, lui aussi, d'une autre molécule qui se trouve dans les noyaux, dans nos chromosomes. C'est l'acide désoxyribonucléique, qui est aussi faite de l'assortiment, de l'attachement les unes aux autres, de 4 molécules, mais dans un ordre déterminé, qui sont A, T, G, C. Donc le T était remplacé par U dans l'ARN. Pas bien grave. OK ? Eh bien, ce que je viens de dire à propos de l'ADN, c'est ce qu'on a représenté là comme étant le gène A. Le gène A, dans ce petit schéma, très simplifié, va servir de matrice pour former un ARN messager. Messager de quoi ? De la protéine bleue. Vous voyez qu'il y a d'autres types de gènes, hein, des gènes qui ne servent pas à fabriquer des protéines. On va peut-être y venir si j'en ai le temps. Bon, voilà donc, information importante, nous avons, nous, de l'ordre de 21 000 gènes de type A. Donc, on a de quoi faire au moins 21 000 protéines différentes. C'est faux, on en fait 100 000 différentes. Mais ça aussi, si vous voulez savoir comment ça se fait ? Après la séance. Alors voilà l'ADN. Tout le monde sait ce que c'est que l'ADN. C'est une double hélice avec effectivement A, T, G, C. Et ce qui est amusant, c'est que ces deux chaînes se stabilisent l'une l'autre parce qu'elles interagissent remarquablement bien. Un A s'associe toujours avec un T face à face, un G toujours avec un C face à face. C'est ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes, qui stabilisent la structure, et la structure est hélicoïdale, double hélice, de Watson et Crick, découverte en 1953, prix Nobel en 1962. Ça, c'est quelque chose que tout le monde est censé savoir. Mais alors, ce serait intéressant quand même de connaître avec précision la séquence exacte de tous ces petits modules ATGC dans l'ADN d'un ver de terre, du limace, du petit escargot de tout à l'heure, d'un homme, et pourquoi pas d'un chimpanzé, et de comparer tout ça. C'est-à-dire faire retrouver une horloge moléculaire, non plus avec les protéines, mais avec l'ADN. Ça va fournir beaucoup plus d'informations. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, on a constaté qu'il y a effectivement des modifications dans l'ADN qui sont essentiellement de deux groupes, de deux types. Ce sont ceux dont j'ai besoin.
Dans le premier cas, vous avez ce qu'on appelle un polymorphisme nucléotidique. Donc vous voyez que les deux séquences qu'on a comparées là, on ne compare évidemment qu'un des brins de l'ADN, sont différentes l'une de l'autre à hauteur d'une lettre. Le A de la première séquence a été remplacé par G. C'est ce qu'on appelle un polymorphisme nucléotidique, SNP. Donc si je compare un morceau de mon ADN équivalent avec un morceau de l'ADN d'un chimpanzé, imaginez que ce soit exactement le même. On va dire, voilà, nous avons un ancêtre commun, bien entendu, qui avait déjà cette séquence-là. Si par contre, à cet endroit-là, il y a une SNP, ben, j'ai une indication, et je vais devoir aller voir dans une autre espèce, le gorille par exemple, s'il a la même modification dans mon sens ou dans celui du chimpanzé. Et on s'aperçoit que chimpanzé et gorille ont la même lettre, et moi j'ai une lettre différente. Qu'est-ce que je peux en déduire? C'est qu'évidemment, la substitution, la SNP, s'est produite après la divergence chimpanzé-homme. C'est ça le principe. Puisque le gorille n'en est pas affecté, le chimpanzé a la même séquence que le gorille, mais l'homme est différent, donc il y a eu quelque chose qui s'est produit dans la lignée humaine. Ça nous intéresse évidemment. Ce que l'on trouve aussi, ça c'est très très important, ce sont soit des délétions, soit des insertions. Vous voyez, la séquence de départ, celle qui est originelle, est là haut. On a souligné une petite zone là. Vous voyez qu'on en a enlevé, on a enlevé trois lettres. C'est ce qu'on appelle une petite délétion. Trois, ça tombe bien. Parce que j'avais oublié de vous dire, mais je le dis quand même, il faut trois lettres pour mettre en place un acide aminé. C'est logique, hein ? Parce que si vous n'aviez besoin que d'une seule lettre pour mettre en place un acide aminé, réfléchissez bien comment vous allez mettre les 20 acides aminés en place alors qu'il n'y a que quatre signaux. Donc ce sont des triplets. C'est un ensemble de trois lettres dans l'ADN, qui détermine la position d'un acide aminé. Comme je viens d'en enlever trois, eh bien, il y a gros à parier que si ceci fait partie d'un gène, j'aurai une protéine auquel manquera un acide aminé. Dans le cas suivant, vous avez quelque chose qui s'est ajouté. Et là, catastrophe, ce n'est pas trois, mais c'est quatre. Quatre, ça va complètement déphaser le cadre. Et la protéine, si tant est qu'il y en ait une, sera totalement différente de la protéine initiale. Vous voyez le genre de gymnastique que cela permet de faire. Alors maintenant, on va faire appel à une autre catégorie de chercheurs, des hyperspécialistes en bioinformatique. Attention, ici on s'accroche, mais comme ce n'est pas ma spécialité, ça va aller très vite. Donc, un, supposons qu'on soit capable de séquencer tout l'ADN d'un animal comme nous. 3 milliards 100 millions de nucléotides. 3 milliards 100 millions répartis dans les 23 chromosomes. 3 milliards 100 millions. Il faut séquencer tout ça. C'est fait, hein, depuis 2000. En l'an 2000, hop, on a le séquençage de l'espèce humaine. Bon, on va se contenter d'un tout petit morceau, là. On a des petits bouts. Et on les compare. Il y a des programmes informatiques qui réalisent ce que j'ai écrit en rouge à droite. D'abord, on va les aligner, ces séquences. Le programme informatique, l'algorithme, va reconnaître les séquences qui se ressemblent, qui pourraient bien être parentes. Voilà. Une fois qu'on les a alignées, elles sont alignées, on va y arriver, on fait une matrice, matrice mathématique. Et de cette matrice, on tire un arbre phylogénétique. Ça y est, enfin, l'arbre d'évolution. Regardez. Les deux séquences qui étaient, vous l'avez oublié sans doute, mais les deux séquences qui se ressemblaient le plus, c'était la 1 et la 5. Ça, c'est clair. Il n'y a qu'une seule SNP. OK. Eh bien, séquence 5 et séquence 1 sont probablement issues d'une séquence qui n'est pas très ancienne. Alors, deuxième constatation, la séquence 4 et la séquence 2 se ressemblent aussi très fort. Vous constatez qu'il y a une différence de deux bases qui manquent dans l'un et qui sont présentes dans l'autre. Mais en dehors de ça, c'est pareil. Et l'algorithme vous dit ça. C'est une, comment dirais-je, ce sont deux séquences dérivées d'un ancêtre qui n'est pas très éloigné non plus. Parfait. Alors on continue, on prend les deux séquences consensuelles 1 et 2 et on les compare entre elles et on trouve un point 3 qui est l'ancêtre vraisemblable des quatre dont on vient d'examiner la séquence.
Et puis, on n'a plus qu'à ajouter la dernière, qui est à l'évidence la plus différente de toutes, et celle-là se situe en dessous, à droite. Résultat, qu'est-ce que j'ai ? Un petit arbre phylogénétique qui donne une image précise de l'évolution de ce segment de génome. On n'a même plus regardé l'animal. Fini. On a de l'ADN au laboratoire et on construit un arbre de vie avec ça. Et quand Darwin dessine son petit arbre de vie, il n'a pas tout ça à sa disposition. Et pourtant, il avait déjà intuitivement compris que les choses se passent ainsi. Donc vous avez la démonstration à l'échelle du génome, cette fois-ci, de cette évolution qui se passe lentement mais sûrement. Alors les arbres de vie, le premier en haut, c'est la représentation que vous venez de voir. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses. C'est ce qu'on appelle un cladogramme. Celui qui se trouve à droite, je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il est plus facile à visualiser, mais les lignes horizontales en rouge correspondent au point rouge du schéma précédent. Celui que j'aime encore mieux, c'est le A3. C'est un cladogramme rayonnant. C'est toujours le même principe, hein. Donc ce qui est rouge, c'est la structure ancestrale ou l'espèce ancestrale. Et les deux petites branches, les petites branches bleues, sont les branches qui conduisent aux espèces qu'on a examinées, dont on a fait l'anatomie comparée, ou dont on a extrait l'ADN et qu'on a examiné dans le superordinateur. On obtient la même chose. Et grâce à ça, alors on peut maintenant, ça c'est quelque chose de très tentant, on peut parier sur le fait que la quantification des différences, donc plus il y a de différences qui se sont installées entre deux espèces, plus le temps écoulé est long. Et ça permet, si vous introduisez cette donnée, et les bioinformaticiens le font, on obtient ce qu'on appelle un phylogramme à droite. Vous voyez que la longueur des branches n'est pas la même. C'est indicatif de la quantité de différences qui s'est installée au cours de l'évolution. Et puis, dernière chose, le chronogramme, c'est transposer ce que je viens de vous dire en temps. Et pour ça, il faut un référentiel, et la plupart du temps, les référentiels, on les obtient auprès des géologues et des paléontologues. Voilà comment on fait les arbres évolutifs. Ça a l'air un peu tordu, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est nécessaire de le savoir, parce qu'on vous balance des arbres un peu n'importe comment. Il est bon de savoir si on a pris en considération la divergence, le temps écoulé, etc. J'invite les amateurs de ce petit exercice d'aller sur le site www.timetree.org et vous introduisez là-dedans tout ce que vous voulez, de préférence en anglais, mais ça peut marcher. Vous mettez par exemple vers de terre dans la première case, homme dans la deuxième case. Vous cliquez, ça va tourner pendant quelques secondes et puis vous allez avoir une durée en millions d'années estimée, médiane et moyenne, les deux sont données, qui vous donne une indication du point de divergence entre nous et le ver de terre. On peut s'amuser avec n'importe quelle espèce, ça fonctionne admirablement bien. Et puis, je vois que j'allais vous parler de paléogénomique, j'allais vous parler d'Evo-Devo, mais il est trop tard, et je crois qu'on peut s'arrêter ici. On peut lui accorder encore quelques minutes. Oui, mais ne vous forcez pas, hein. Attendez, je vais. Oui, ah ben oui, ça va. Je vais mettre un peu de carburant. Comme ici, au moins, ils n'augmentent pas trop de prix. Voilà. Donc, on dit quelques mots de la paléogénomique. Je vous ai dit que le génome humain est séquencé, donc on connaît la séquence complète du génome humain depuis l'année 2000. C'était un projet gigantesque, ça a coûté des sommes folles. Et depuis 2000, 22 ans se sont écoulés, là je ne vous apprends rien, on a amélioré les méthodes de séquençage. On les a rendues beaucoup moins onéreuses, extraordinairement rapides. Ce sont des ordinateurs gigantesques qui font le travail. Et figurez-vous qu'on peut le faire de la manière suivante.
on fragmente l'ADN en petits morceaux variables, hein, de taille variable, des petits fragments de 100 nucléotides, dont vous imaginez combien vous en avez dans les 3 milliards. Vous introduisez ça dans la machine, et la machine les séquence, tous. Et puis une fois que la séquence est obtenue de tous ces petits fragments, il essaye de les aligner par superposition. C'est ce qu'on appelle le shotgun sequencing en anglais. Voilà les petits fragments de l'ADN. Tout est aligné, on voit les zones de chevauchement. Et en un jour ou deux, vous avez le génome d'une personne dont on a extrait l'ADN et qu'on a coupé en tout petits morceaux. Bon, très bien, c'est de la technique, c'est une prouesse remarquable. C'est ce qui permet aujourd'hui, vous envoyez un petit échantillon aux États-Unis, on vous envoie votre séquence d'ADN en vous disant, voilà, vous êtes porteur du BCRA1, donc tel risque de développer un cancer du sein, etc., etc. Je ne sais pas si c'est un progrès, peut-être que oui. On tend vers la médecine personnalisée. Dès lors qu'on connaît le génome de quelqu'un, on a effectivement une... comment dirais-je, une prévision du facteur de risque. C'est vrai. Mais plaçons-nous du côté de Darwin et du côté de l'évolution, parce que c'est pour ça que je suis venu. Pouvoir séquencer de l'ADN et pouvoir reconstituer un génome complet à partir de petits bouts, ça, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le sourd étant, n'était pas sourd du tout, Svante Paabo, qui est un généticien suédois d'origine qui travaille actuellement dans un Max Planck Institute à Leipzig, en Allemagne, qui a développé un service, ils sont 250 chercheurs là-dedans. Et c'est lui qui, figurez-vous, grâce à cette méthode améliorée de séquençage, ne disposant que de petits morceaux d'ADN, lui le pauvre, puisqu'il allait les extraire de fossiles. Or, la fossilisation détruit l'ADN au fil du temps. Donc il n'avait que des petits bouts. Eh bien, il a réussi à séquencer le génome du mammouth laineux, pas très vieux le mammouth laineux, et d'Homo neanderthalensis. Et aujourd'hui, on a la séquence de l'homme de Néandertal, tout comme celle de nous tous. Attention, nous sommes tous différents, je vous l'ai dit. Si vous comparez notre ADN à nous tous, vous allez vous apercevoir qu'il y a des SNP un peu partout. Petit pourcentage, certes, 0,1-0,2%. 0,1-0,2%. Donc je prends n'importe qui dans la salle et je compare son ADN avec le mien, eh bien il y aura 0,1-0,2% de différence. Vous allez me dire, c'est très peu. Oui, mais ramené à 3 milliards de nucléotides, ça fait un fameux paquet de SNP. Donc c'est très pratique. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de désigner quelqu'un dans une démarche de police scientifique. Puisque nous avons effectivement, à certains endroits de notre génome, des SNP, surtout des morceaux de génome qui n'ont aucun rôle génétique et qui ont donc pu évoluer ainsi de manière tout à fait libre. Ça va ? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant de savoir. On a fait la même chose, on s'est dit, mais au fond, puisqu'il y a une petite différence de 0,1% entre chacun des individus de l'espèce humaine, qu'est-ce qui se passe si on fait la même chose ? Je prends un individu de l'espèce humaine et je prends un chimpanzé. 1,2%. Donc 10 fois plus de différence. Et c'est ce qui a fait dire à tout le monde, ah mais la différence génétique entre le chimpanzé et nous, ce n'est que 1%. C'est vrai, en ne tenant compte que de SNP. Maintenant, je vais faire ce qu'on ne dit jamais, je vais faire la même chose avec une souris, 20%. Donc nous sommes semblables à la souris à hauteur de 80% de nos séquences d'ADN. D'accord ? Donc un peu de modestie quand même. Et nous sommes semblables au chimpanzé en ne tenant compte que des SNP, à hauteur de 1 à 1,5%. Ces braves petits cousins. Ça va ? Voilà, voilà le principe. Donc, il est possible de séquencer l'ADN. Et hop, me revoilà avec un fossile que j'ai évoqué tout à l'heure. Tout ça était prémédité, hein. Ça va sans dire, hein. Le mégathérium. Vous vous souvenez du mégathérium ? Ces gros os que Darwin a envoyés à Londres pour examen. Et Darwin avait dit, mais... ce mégathérium appartient à une espèce qui se retrouve quelque part sous une forme modifiée dans les deux paresseux que voilà. Eh bien voilà comment on a pu réaliser maintenant le fameux cladogramme. Et vous voyez que le mégathérium est ici en bonne et due place et que ses petits cousins, qui sont maintenant des cousins, on n'est pas dans une représentation anagénétique. Hein. J'ai pas mis le mégathérium devant les deux
paresseux. Non, non, du tout. Ils sont tous sur un même plan, sauf que Megatherium n'existe plus. Depuis 11 000 ans à peu près, les deux autres existent toujours. Vous voyez ? Eh bien, on a pu séquencer le génome de Megatherium. Et voilà. Voilà ce qu'on fait. Si ce n'est pas merveilleux, ça, si j'étais jeune, ah ben oui, si je refaisais mes études, c'est certainement dans cette direction-là que j'irais. Alors regardez, je vous l'ai dit, hein, j'aime beaucoup les cladogrammes rayonnants. Eh bien là, je n'ai pris que les primates. Les primates. Et vous avez vu là-bas, à gauche, une flèche rouge, c'est Homo sapiens, je l'ai agrandi d'ailleurs. Nous sommes là-dedans, en bonne compagnie. Hein. Je ne me trompe pas, il y a les chimpanzés. Il y a le chimpanzé, il y a le bonobo, il y a l'orang-outan, le gorille. Nous sommes là. Mais on a encore beaucoup d'autres cousins, petits cousins, arrière-petits cousins. Et tout ça provient d'une origine commune. Et Darwin avait déjà dit ça. Mais bien sûr. Voilà notre famille. Mais il y a quand même quelque chose d'inquiétant, vous savez. De très inquiétant. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça m'inquiète, ça me dérange. Mais je suis parfois attaqué par certains de mes collègues ou amis qui me disent « Mais enfin, on ne peut quand même pas obliger les gens à cesser d'avoir des enfants. » Je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Je veux simplement faire remarquer que le singe qui est là, le singe nu, vous savez combien ? 7 500 millions à la surface du globe. Vous voyez combien reste de chimpanzés, de bonobos ? 40 000, 250 000, 95 000, 5 700 pour le gorille oriental. Et là où je suis très inquiet, c'est pour les orang-outans, parce que j'ai ajouté une nouvelle espèce qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, dans le nord de Sumatra. Il n'y a plus que 500 individus. 500 individus de cet orang-outan, qui va évidemment disparaître. Enfin bon, il est dans la liste des innombrables espèces qui disparaissent, mais tout ça pour vous montrer que notre petite famille, notre petit groupe des hominines est très injustement, très inégalement représenté. Il faut dire que le troisième singe, en commençant par la gauche, est le seul, et c'est une de ses caractéristiques d'ailleurs intéressantes, est le seul à avoir colonisé la Terre entière. Les autres sont restés dans leur biotope originel. Alors, on prend un peu de hauteur, ça va toujours ? Un tout petit peu de hauteur, enfin non, une fameuse hauteur. Mais alors, je n'ai pas arrêté de vous parler d'animaux, l'homme étant un animal, ça vous l'avez tous compris. Maintenant, on va prendre de la hauteur, on dit oui, mais la biodiversité, ce n'est pas seulement l'homme, le chien, le chat. Non, 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 non. Ce sont tous les animaux là au-dessus à gauche, ce sont toutes les plantes au-dessus au milieu, ce sont toutes les algues, ce sont tous les champignons, ce sont tous les protozoaires, protistes, hein, les êtres vivants faits d'une seule cellule, et ce sont toutes les bactéries qui n'ont pas de noyau. Ce sont des procaryotes. Et pendant des années, j'ai enseigné ça, tout le monde enseignait ça. Il y a une césure énorme dans le monde vivant. Il y a d'un côté les procaryotes, ça c'est des structures très primitives, et puis il y a tous les eucaryotes avec un noyau. On a d'ailleurs compris comment le noyau était apparu. Et c'est le dernier de ma série, Carl Woos, il était sur le schéma au tout début là. Carl Woos, dans les années 80, est un microbiologiste, se dit, mais avec cette horloge moléculaire là, que Pauling nous a offert comme moyen d'investigation, de recherche de l'évolution, est-ce que je ne pourrais pas trouver quelque chose qui soit commun à tous les êtres vivants, en cela compris les bactéries ? Parce que vous l'aurez compris, de l'hémoglobine dans une bactérie, il n'y a pas. De l'insuline dans une bactérie, il n'y a pas. Donc, ce n'est pas la peine de s'adresser à cela. Et il a évidemment une idée géniale, mais que n'importe quel étudiant aurait pu avoir, je l'avoue honnêtement, si tant est qu'il ait bien suivi ses cours, c'est de se dire, il y a quelque chose que tous les êtres vivants à noyau ont, c'est une petite machine à traduire l'ARN messager. Vous vous souvenez ? L'ARN messager doit être traduit en un enchaînement d'acides aminés. Et cette petite machine, ça porte le nom de ribosome que vous avez là. Et le ribosome, il est fait de deux sous-unités, une grande sous-unité et une petite sous-unité. Et dans la grande sous-unité, il y a beaucoup de protéines, très bien, et il y a deux molécules d'ARN, qui ne sont pas des ARN messagers, c'est le gène B tantôt. Et dans la petite sous-unité, il y a une molécule d'ARN. Et ça,
tous les êtres vivants ont la même structure, tous. Donc je peux me lancer dans une comparaison de séquences et il prend l'ARN ribosomique 16S, unité de sédimentation, qui, comme vous pouvez le voir, chez la bactérie, possède 1540 nucléotides. Donc AUGC, ici c'est un ARN. Et il se lance dans une opération extraordinaire de comparaison avec l'équivalent des eucaryotes. Et je vous rappelle ma césure que tout étudiant normalement constitué des années 80 devait connaître. Oui, oui, il y a des êtres vivants avec noyaux et des êtres vivants sans noyaux. C'est quoi les êtres vivants sans noyaux? C'est les bactéries, monsieur. C'est très bien. Et vous en connaissez? Oui, oui, alors streptocoque, etc., tout ça. Et puis aussi quelques bactéries bizarres. Des bactéries qui vivent dans les fonds océaniques, où il fait 110 degrés, et elles vivent bien. Des bactéries qui vivent près des volcans, où l'acidité du sol a un pH de 1. Aucun être vivant ne peut vivre. Eh bien, elles vivent très bien, là. Il y a des bactéries, celles qui rendent les marais salants rouges. Vous avez déjà vu ça? Les marais salants sont rouges. Ce sont des bactéries qui pullulent là-dedans, qui sont des bactéries halophiles, qui aiment le sel. Aucun être vivant n'est censé vivre dans des conditions pareilles. Eh bien oui, il y a des bactéries qui font ça. Et on les avait appelées, in illo tempore, des archéobactéries. Pourquoi? Parce que, imagination fertile d'un biologiste, très logique, se dit, des bactéries qui vivent dans des conditions pareilles, c'est comme s'ils vivaient encore dans les conditions initiales de la Terre, quand la Terre était encore très chaude, très acide. Donc ce sont inévitablement des vestiges des plus anciennes formes de vie sur Terre, d'accord? Et elles ont gardé ce nom, archéobactéries. Et voilà que Karl Huss commence à comparer tout ça et catastrophe des catastrophes, voilà ce qu'il montre. Vous voyez mon cher cladogramme rayonnant. Lucas, c'est l'ancêtre commun universel. Regardez bien, tout ce qui est en dessous de la ligne, ce sont les eucaryotes. Vous avez bien entendu, pardon, ce sont les procaryotes, toutes les bactéries en bleu. Oui, mais les bactéries, les archéobactéries sont là aussi. Et cependant, si je suis l'arbre phylogénétique, ces archéobactéries sont rattachées aux eucaryotes et pas aux procaryotes. En d'autres termes, Karl Huss apporte, mais un véritable, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu, le monde vivant n'est pas subdivisé en deux grands domaines, mais en trois domaines. Le domaine des bactéries, cette fois-ci on les appelle bactéries, le domaine des eucaryotes, bien sûr, et un troisième domaine, le domaine des archées. Il a gardé le mot archées. Bien se rendre compte que les archées constituent un clade, un groupe, frère d'une autre. Donc nous sommes beaucoup plus proches des archées que nous ne le sommes des bactéries traditionnelles. Ça va? Le message est passé. Si j'ai appris quelque chose, c'est vraiment, je suis vraiment content parce que j'ai l'impression que tout le monde sait ça depuis toujours. Voilà ce que cette génomique évolutive a permis de découvrir. C'est génial, c'est gigantesque. Non, le monde vivant n'est pas subdivisé en eucaryotes et en procaryotes. Ça ne veut rien dire. Le monde vivant est subdivisé en archées, groupes frères des eucaryotes et en bactéries. Et bien entendu, tout ça a un ancêtre commun. Et pour en ajouter une petite couche, figurez-vous que depuis, on s'est rendu compte qu'il y avait des archées qui ne vivent pas à haute température, qui ne vivent pas dans l'acide, qui ne vivent pas dans le sel. J'allais dire qu'ils vivent comme vous et moi. Et il y a des bactéries, qui vivent à haute température, qui vivent dans le sel, etc. Donc cette caractéristique-là avait été utilisée pour définir un groupe tout à fait artificiel. Ça n'avait rien à voir. Ça arrive souvent dans l'histoire de la biologie, hein, d'avoir utilisé un critère pour donner un nom à un clade et s'apercevoir après coup que c'était tout à fait, c'est un caractère superficiel. Bien, alors nous, on est là, au cas où vous l'auriez oublié. Nous voilà donc, ça c'est l'arbre de Karl Huss, tel qu'il est présenté, c'est la même chose, hein, Lucas. Bactéries à gauche, archées, vous voyez que archées, c'est un petit buisson qui prend racine sur la même branche que le nôtre. Et puis, on arrive tout doucement à la fin de cette partie de mon exposé. On pourrait évidemment se dire, ah mais Darwin avait tout vu, évidemment. C'est de nouveau Darwin, ça. Hein, c'est l'évolution par buissonnement. Eh oui, mais aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire. Très bien. Le buisson existe.
Le problème de Lucas, il est évident, hein. On vient d'où là ? Il s'en est passé des choses avant Lucas. Et en plus, on est allé dessiner des lignes qui rejoignent les branches de l'arbre de vie. Parce qu'il y a effectivement eu, et on le sait maintenant, et je vais vous en donner un bel exemple, très amusant, il y a sans arrêt, au cours de l'évolution, des transferts horizontaux de gènes. Donc des gènes d'une espèce passent dans le patrimoine héréditaire d'une autre espèce, et parfois de manière violente. Regardez ceci. Vous vous rendez compte ? Ce sont des organismes qui appartiennent aux bactéries, bactéries vraies, qui ont intégré leur matériel héréditaire quasiment en force dans d'autres organismes qui étaient issus des archées. Et c'est en réalité ce qui explique la naissance des cellules eucaryotes. Donc si nous avons des cellules avec noyau, c'est parce que, il y a très très longtemps, une archéobactérie a englobé une bactérie qui avait une particularité surprenante pour une bactérie, c'est de pouvoir consommer de l'oxygène. C'est ce qui est devenu aujourd'hui nos mitochondries. Les mitochondries de nos cellules sont d'anciennes bactéries vraies. Et les plantes, non seulement elles ont des mitochondries, mais elles ont des chloroplastes, vous le savez bien. C'est ce qui les rend vertes. Et ces chloroplastes, c'est quoi ? Mais ce sont d'anciennes bactéries photosynthétiques. Il en existe encore aujourd'hui. Les algues bleues, vous savez, les algues bleues filamenteuses que l'on trouve quand il y a malheureusement des périodes d'ensoleillement prolongées, vous avez une eutrophication des plans d'eau. Pas la petite lentille d'eau, hein. Je parle vraiment des filaments qui se retrouvent partout. Ce sont des bactéries. Ce sont des bactéries, des procaryotes, ce sont des bactéries photosynthétiques. C'est pour ça qu'on les a appelées des algues. C'est un terme qui ne veut rien dire non plus, mais bon. Eh bien, ce sont des bactéries appartenant à cette même lignée qui ont colonisé aussi des cellules qui étaient déjà colonisées par des bactéries consommant de l'oxygène. Et voilà pourquoi apparaissent soudain sur Terre des cellules qui ont un noyau. Les chromosomes sont séparés du reste par une membrane, des mitochondries et des chloroplastes. Je dis des mitochondries ou des mitochondries et des chloroplastes. Les animaux sont là, les plantes sont là, les algues sont là. C'est pas magnifique la vie. Elle est belle la vie, c'est une... Bon, et alors, j'arrive maintenant aux transferts horizontaux d'un genre un peu particulier. Vous voyez que rien ne s'arrête. Hybridation, le clade Panthera. Alors, le clade Panthera, on disait dans le temps, c'est le genre Panthera. Qu'est-ce que j'ai ? Tigre, jaguar, je lis de gauche à droite au-dessus. Tigre, jaguar, léopard des neiges, lion et le léopard, ou la panthère. Alors, c'est lui qui porte le nom panthère, mais en réalité, tous sont des panthères. C'est Panthera tigris, Panthera léo, etc. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre en encart une panthère noire, parce qu'elle existe. C'est une variété panthère noire. Ah, évidemment, ça c'était pour détendre l'atmosphère. Oui, ça aurait été dommage de ne pas arriver à celle-là quand même. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Génomique oblige. On séquence l'ADN de tous ces animaux. Et qu'est-ce qu'on constate ? Que ces animaux gardent dans leur patrimoine héréditaire des segments d'ADN qui proviennent d'une autre lignée. Et toutes les flèches que vous voyez là indiquent les échanges qu'il y a eu avant que ces espèces ne se séparent les unes des autres. J'ai en plus ajouté moi-même des valeurs en millions d'années. Je suis allé sur le site www.lifetime.org pour donner les valeurs, par exemple, ça signifie par exemple que la panthère et le lion se sont séparés l'un de l'autre il y a 3 800 millions d'années. C'est ça que ça veut dire. Par contre, le jaguar et le tigre, eux, se sont séparés l'un de l'autre il y a bien plus longtemps, 7,5 millions d'années. Mais ça n'a pas empêché qu'à l'origine, ceux qui allaient devenir les uns les tigres, les autres, se sont croisés entre eux
se sont hybridés et on voit les traces. Alors, question, c'est quand même curieux, ça s'est produit il y a 7 millions d'années. OK, il y a eu quelques traces de l'un dans le génome de l'autre. Dites, avec le temps qui s'est passé et les générations qui se sont succédées, il ne devrait plus rien rester. C'est tout à fait exact comme raisonnement. Sauf si on pense au grand Charles, qui avait dit que dans les variétés, il y en a qui sont avantagées et qui vont donc être sélectionnées. Et si d'aventure, la présence d'un gène qui provient d'une lignée dans une autre lignée offre un avantage, évidemment que ce gène va être transmis de génération en génération. Est-ce que j'ai été clair sur ce coup-là? Et Néandertal, alors? On nous a raconté que l'Homo sapiens sort d'Afrique il y a 60 000 ans. La première population part à l'est. Il va rejoindre le sud de l'Inde et l'Australie. Et une autre population vient à l'ouest et se trouve nez à nez avec une autre espèce qui vit là depuis bien longtemps, Homo neanderthalensis. Et comme on a séquencé le génome d'Homo neanderthalensis, on s'est rendu compte, maintenant, puisqu'on a, on a la séquence, qu'il y a des morceaux d'ADN de Néandertalensis dans notre propre ADN. Nous, ici, nous sommes européens, que je sache, nous avons conservé dans notre génome et parfois 2 à 3% du génome néandertalien. Exactement la même réflexion que tout à l'heure. Si ces morceaux sont toujours là, c'est que probablement ils nous ont offert un avantage. D'abord, le schéma, je peux l'enlever, parce que Denisova, bon, c'est une petite espèce, c'est une nouvelle espèce qu'on a découverte sous la forme d'un petit fragment de phalange. Mais avec un petit bout comme ça, on peut extraire suffisamment d'ADN, et grâce aux machines monumentales qui séquencent tout ça, on a le séquençage. C'est comme ça qu'on a découvert une nouvelle espèce. Donc vous trouvez un tout petit morceau d'os dans une grotte où il y avait d'ailleurs des Néandertaliens. Le hasard fait qu'on a extrait l'ADN de ce petit fragment, on a séquencé, surprise, c'est pas Néandertal, c'est pas Homo sapiens, c'est autre chose. Alors on a donné le nom de la grotte Denisova, une nouvelle espèce. Et on a trouvé des fragments du génome Denisova, tout particulièrement dans les populations asiatiques. Il y a d'ailleurs une population dans le nord de, sur l'île de Java, où la persistance de l'ADN de Denisova est à 6%. 6% de leur génome, c'est du Denisovien. Alors vous allez me dire, ça peut offrir un avantage. On y va carrément. Voilà un travail qui a été fait il n'y a pas longtemps, hein, Svante Pebo. Lui, il dispose de toutes ces séquences et on peut faire des travaux à l'infini désormais. Vous avez ces petits cercles représentent chaque fois 100% de la population. Enfin, 100% d'un échantillon, hein, c'est un échantillon de 100 personnes ou 200 personnes qu'on a examinées, on a séquencé l'ADN, on est allé à la recherche de vestiges d'ADN néandertalien. Vous voyez qu'en Afrique, rien. Parce que les hommes qui sont restés en Afrique, Homo sapiens, n'ont jamais rencontré Néandertal, donc ils n'avaient aucune raison de s'accoupler avec eux. Par contre, nous, on l'a fait, et vous voyez que les Asiatiques l'ont fait aussi. Le petit secteur rouge, c'est en réalité la proportion, notre proportion à nous. Donc ici en Europe, c'est grosso modo un gros tiers. Donc un tiers d'entre nous a probablement dans son génome un petit morceau d'ADN de Néandertal, mais pas n'importe lequel. C'est un morceau d'ADN qui joue un rôle dans l'immunité innée. Et figurez-vous que ça protège contre les formes sévères du Covid-19. Donc, qu'est-ce qu'on dit à Néandertal ? Merci. Voilà. C'est bien, je vois que vous suivez. Bon, alors, voilà. Maintenant, j'ai choisi de vous montrer ceci, parce que je sais que ça allait vous faire plaisir. Malheureusement, il existe aussi des séquences néandertaliennes conservées dans notre génome et qui font exactement le contraire, qui fragilisent notre système immunitaire inné. Ce comme quoi... Voilà. Vous voulez encore une introgression rigolote ? Voilà le loup. Là aussi, tout le monde sait que le loup gris, c'est le chien, ou que plutôt nos chiens, c'est le loup gris, qui a été domestiqué il y a 100 000 ans. Bon, très bien.
On le sait. Et puis on s'est mis à faire de la sélection artificielle pour avoir toutes les races de chiens possibles et imaginables. Ça peut aller très vite, hein. Et il se trouve que, comme c'est la même espèce animale, ils sont parfaitement capables de s'interféconder. Bon, on voit mal un chihuahua s'accoupler avec un loup. C'est vrai. Mais un berger allemand, les grands chiens, peuvent très bien s'accoupler. Et inversement. Dans le nord canadien, il y a des loups. Et ça va vous rappeler l'histoire des petits escargots, ce comme quoi l'évolution est universelle. Le loup n'est normalement pas noir. Il n'y a pas dans le génome du loup européen l'allèle, donc la forme alternative du gène qui détermine la couleur du pelage, qui confère la couleur noire. Ça n'existe pas dans le patrimoine héréditaire du loup sauvage. D'accord ? Chez le chien, oui. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des tas de races de chiens noirs. Donc on a fini par sélectionner ces allèles pour avoir des chiens noirs. Et apparemment, dans le nord des États-Unis et au Canada, des loups se sont accouplés avec des chiens noirs. Avec comme conséquence l'introduction, une introgression d'un allèle de chiens noirs dans le patrimoine héréditaire du loup. Ce qui fait que des loups noirs apparaissaient de temps en temps. Et ils sont devenus très nombreux. Où ça ? Dans les forêts denses. Évidemment, dans les forêts denses. Non pas qu'ils soient la proie, encore que si, ils peuvent être la proie des ours, mais surtout, ça les camoufle. Et donc, ils ont un avantage sur les loups plus clairs lorsqu'ils courent derrière un caribou. Vous voyez ? C'est beau, la vie, quand même. Voilà. Alors, ceci dit, je crois très sincèrement que je pourrais m'arrêter là si vous n'en pouvez plus. Sinon, je voulais m'embarquer dans Evo Devo, mais ça prend encore 10 minutes, Monsieur le Président. Non, on va arrêter. Je vais remercier... Attendez, ne soyez pas trop triste, hein. Voilà. Ah là là. Non, mais c'était pas... Les virus. Voilà. Et voilà. Je vous remercie.